Maman était allée puiser de l'eau à son retour. Elle avait préparé le bouillie parce qu'on était resté à la maison avec elle. Et là, elle m'a servi. Quand j'ai mangé le premier bol, je n'ai rien senti. Quand j'ai touché le deuxième, j'ai mis dans ma bouche, j'ai commencé à voir tout partout. Les hommes qui se marchaient sur la tête, d'autres avaient des formes. Je voyais même les mortiers qui bougeaient. Je voyais même les pilons qui parlaient. Alors, c'est par là, j'ai pris la force au céleri. C'est comme ça que tu as intégré le groupe, la confrérie. Elle t'a pas invité la nuit, faire la procédure sur le céleri. Non, j'étais son âme. Non, quand elle t'a initié en te donnant le tarot, elle t'a commencé à voir. Oui. La même nuit, elle t'a pas invité dans la confrérie là-bas. La même nuit, là, elle ne m'a pas invité. C'était matin. Non. C'était dans la journée qu'elle m'a empoisonné. Quand elle t'a donné ça, c'est que la nuit, tu vas rejoindre la confrérie. Oui. C'est ça? La nuit, j'ai été suspendu dans un arbre. Donc, il y avait un gardien qui avait une machette pour trancher la porte à ce que je tombe dans le trou. Donc, ils m'ont dit de donner ma maman. J'ai dit, maman ne m'appartient pas. On a habité là, ça n'a pas marché. Et le lendemain, j'ai eu le corps chaud. J'ai commencé à gonfler. Où ma mère et mon père m'ont pris pour aller chez un petit. Monsieur, pardonnez. Donc, vous avez donné votre maman. Hein? Quand vous avez initié, vous avez donné votre maman. Non? C'est le féticheur qui a déclaré qu'on m'a poisonné. Ça veut dire que tu n'es pas prêt à changer. Tu sais, la complication est en train de voir un peu ta sincérité. Dès qu'on te donne un aliment, ça c'est clair, je suis en train d'écrire un livre, hein, je sais que tu vas sortir. Et c'est quel point de vue? Que dans le monde, dans la même nuit, tu dois être là-bas. Et quand on te voit, on te met sur une chaise. Et qu'on échange avec toi pour te dire, tu es rentré dans une confrérie. On t'explique ça clairement. Et on te dit ouvertement qu'il faut donner quelqu'un. C'est comme ça la sorcellerie. Si tu veux avoir la parole ici, parce qu'on te donne manger le sang et, la chair. De toute façon, Jésus, son sang vivant, et la chair, c'est comme une alliance, un pacte. Et puis on te dit, il faut donner quelqu'un. Ok, donc tu oublies de donner une personne. Et quand tu donnes la personne, maintenant tu as droit à la parole dans la confrérie. Dès que ça dégage, tu dis, mais moi-même, j'ai donné quelqu'un. J'ai donné quelqu'un. Donc je dois parler. C'est là que je donne la force de parler dans la confrérie. C'est faux ce que je dis là. J'étais enfant. Non, non. Est-ce que c'est faux ce que j'en ai dit? Oui, c'est vrai. Mais pour moi, n'a pas été le cas. Sorcellerie, c'est moi, sorcellerie. Hein? Le même jour, j'ai été suspendu. Monsieur, elle ne s'est pas amusée. Elle a bien ciblé. C'est toi. Et quand tu donnes, tu viens dans la confrérie. Ok? Tu viens dans la confrérie. Vous allez, la même nuit, tu viens. Je peux comprendre si tu me dis peut-être que j'ai refusé de donner ma mère, donc on m'a attaché. Voilà. Mais ils vont finir par m'avoir parce que j'ai donné après ma mère. Parce que tout compte faire, ce qu'ils ont fait là, tu vas forcément donner ta maman. Ça, c'est clair et net. C'est quoi ma fait de dire, voilà, Yamsoko. Donc c'est là-bas maintenant. La distance, que ce soit de Iré à Abidjan, que ce soit de Iré à Paris, c'est une œuvre d'esprit. Tu peux être à Paris, aller manger quelqu'un à Iré. Ça n'a pas besoin de faire. Ils sont venus m'encaisser là-bas. Pardon. Elle est venue m'encaisser là. Tu n'as pas mis de choses. Là, j'ai donné ma grande mère. La première qui dit c'est qui? Hein? C'est là que tu as donné quoi? C'est là que j'ai donné ma grande mère. Tu as donné ta grande mère. Ils sont venus t'encaisser. Oui. Et puis ils ont dit de donner quelqu'un. Oui. Tu t'as donné qui? Moi, j'ai donné ma grande mère. Et puis vous l'avez mangé? Oui. Comment tu as donné ta grande mère? Il a déformé un cabri et puis prend mon filet. Prends le filet et attaque. Pour expliquer. Je dis. Ouais. Quand je suis arrivé à Yamoussoukro, ouais, la dame est venue réclamer sa chair qu'il m'a donnée. Et je n'avais pas de moyens. J'étais obligé de transformer ma grande mère en cabri. Et la pêcher pour attraper et tuer. C'est la première victime, ça. Voilà. Quand tu as initié, c'est la première victime. Hein? Oui. Tu en as tué combien? 17.
plaise à Dieu. Vous avez compté du 9, mais ce n'est pas du 9. Hein? Je dis, vous avez la voix basée, vous avez compté du 9, ce n'était pas du 9. Ce qui peut dire qu'au moins ça, il y a un nombre augmenté. C'est des grossesses qui n'ont pas de. Des grossesses de 3 mois, 4 mois qu'on a fait avorter. Voilà. On ne connaît pas les noms, on ne peut pas citer les noms. C'est bon. Quand t'es passé par où d'abord? T'es descendu du ciel. Hein? Tu n'es pas vêtu seulement de l'église comme ça? Vous dites? Hein? T'as pas mon français. T'es descendu du ciel. Tu n'es pas dans le monde de quelqu'un, d'une femme? Mais c'est dans l'ensemble, c'est ce qu'on appelle le mal. En faisant cela, c'est nous qui l'avons fait. On dit que non, quand tu es une grossesse de 3 mois, ce n'est pas un bébé. Ce n'est pas un être humain. C'est un être humain qui est en train d'arriver, mais. Mais c'est ce qu'on appelle crime. C'est un crime. Mais dans notre village là-bas, nous, on ne sait pas que c'est un crime. Nous, on ne sait pas que c'est un crime. Hein? Oh. Tu es petit chevaux là, c'est pas crime. Petit la neveu là, c'est pas un crime. Si tu es une grande personne, tu es riche ou bien pauvre. Hein? Grosse là, c'est pas devant nous. Donc tu as tué combien? Je suis 17. 19 ou 17? C'est ça, je dis que les 19 là. Hein? Un peu grossesse ça. C'est ça que vous voyez 19, mais ce n'est pas 19. Mais moi, on trouve que c'est être humain. D'accord, c'est 19. Toi, tu ne vois pas ça en être humain. Hein? Et tu as fait quoi encore? Je suis en train de t'écouter. Je reviens sur tes aveux. Ce que j'ai fait comme gaspillage. Tu dis gaspillage. Comme destruction. Celle qui m'a donné la sorcellerie, finalement, elle a demandé la mort de mon père Jerry. Là, j'étais maintenant grand. Alors, même dans la même année-là, elle m'a fait tuer. Monsieur, vous avez fait quoi? Détruit quoi? Hein? Ce que j'ai détruit. J'ai détruit 6 personnes. Donnez-moi le nom des gens que vous avez tués. Au moins 6 personnes. Comme c'est un LK19. Donnez-moi le nom de 6 personnes. Bon, j'ai tué ma grande mère. Mmh. Son nom? Brunissa. Comment tu l'as tué? Il a assommé avec un caillou à la gorge. Assommé un caillou? Mmh. Comment? J'ai chauffé le caillou, j'ai mis ça à la gorge. Tout le monde croyait que c'était un viron. Explique bien. Regarde-moi si tu parles. Hein? J'ai dit, j'ai chauffé le caillou et j'ai enfoncé ça dans la gorge de la vieille. Mm-hmm. C'est enflé et quand ça a déchiré sa gorge, elle a pris la mort. Et tout le monde croyait que c'était un engin. Engin quoi? Voilà. Attends, c'est toi qui as enfoncé le caillou chaud. Engin. La deuxième victime. C'est mon nom. Wako Kofi. Et sa petite sœur, Kofi Aya. Comment tu l'as tué? C'est le même système là. Chacun son système de tuer. Mais explique-moi. J'ai dit. Pour les 6 personnes que vous demandez. Monsieur, tirés. Ton oncle, tu l'as tué comment? Mon oncle? Oui. Bon, lui, il est tué par serpent. Alors, c'est la même chose. Comment? Explique. Vous voyez la sorcellerie, c'est une mauvaise chose. Allons-y. La quatrième personne, c'est Amani Bodio. Non. Ton oncle, là. Parce que tu as tué un serpent, là. Explique-nous ça. Non, le serpent, c'est lui-même qui a tué le serpent. C'est l'os du serpent, là. Comme c'est un monsieur qui ne portait pas de chaussures.
les dents de serpent là, j'ai pris fait pipi, mais il allait marcher dessus. C'est un salaud qui, quand on travaille pour lui toute l'année, il ne nous donne rien. Alors, il a fait payer, il a tué pipi, il a fait jeter ça. Derrière un vieux, dans le creux d'un vieux arbre là. Et moi j'ai pris l'os, j'ai changé en pipi, j'ai mis sur la route de ces pièges là. Ça l'a pris. Son pied enflé jusqu'à. Il a pris KO. Il l'a transformé. En quoi? Je ne l'ai pas transformé, c'est piquant là. Tu l'as pas mangé? Hein? Tu l'as pas mangé? Non. Ouais, pardon. Quelque chose en poison tué par serpent, nous on va manger. Est-ce que vous poison vous tue? Hein? Ça c'est lui à poison tue ça. Ça tue. Tu l'as transformé en quoi? Tu l'as transformé en quoi? Lui là, c'est grave. On n'a pas transformé. Monsieur, on sait qu'on l'a poisonné. La dernière fois, tu as dit, et je sais, je suis convaincu que tu l'as transformé. Je suis en train de reprendre tes aveux pour voir si tu es sincère. Tu l'as transformé encore. Je dis que lui n'a pas été transformé. Si les autres, je peux dire qu'on a coupé ici, on a fait ça, on a fait ça, on a partagé, ou on n'a pas partagé, on a vendu. Et maintenant, on est en train d'encaisser ceux qui nous doivent. Toi, tu n'as pas transformé en capri? Non. Tu n'as pas vu sorcier qui tue quelqu'un qui ne mange pas? Il y a des poisons qu'on nous mange. Non, 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 pardon. Qui nous met en empoisonnement? Hé, monsieur, tu peux rien m'apprendre. Pourquoi? Parce que je sais ce que tu es. Toi, tout à l'heure, tu n'y es pas. Non, j'ai rien à poids, tout ça. Tu as commencé à parler. Tu l'as transformé en quoi? Tu ne veux pas changer? Je vais changer, c'est pourquoi je suis venu sous. Mais dis la vérité. Je serais parti. Si je ne voulais pas, après la bénédiction de mes enfants, je serais fini. Puis tu es parti mourir. C'est tellement simple. Mais quand je veux, elle n'est plus recommencer. Mais dis la vérité pour qu'on te délivre. Mais quand je dis la vérité, vous dites que c'est pour moi l'info. Oh, moi qui ai vécu mes faits, je sais comment j'ai passé. Vous avez une grande force que moi. Au lieu de m'aider à définir, vous me fatiguez. Donc, quand je dis, vous dites non, c'est pas ça. Je ne sais pas comment. Je vous fatigue. Je ne sais pas où comment. Non, 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 je vous fatigue. Non, il y a des questions. Non, je vous fatigue. Non, prenez vos clés, allez chez vous. Non, je vous fatigue, non? Non. Non, si, je vous fatigue. Vous venez la trahir. Tu me parles mal. Non, vous n'êtes pas. Tu me parles mal. Je dis, vous me fatiguez avec les questionnaires. Mais j'ai besoin des questions parce que tu mens. Tu as transformé le monsieur en cabri, tu as mangé. Tu as mangé la tête, tu as mangé le cou et tu as mangé le pied. Et tu me donnes encore des bêtises. Ça veut dire quoi ça? Ça, c'est la part de ma tante. Plus ce coup-là. Monsieur, prenez, allez-y. Quittez chez moi. Pardon. Quittez chez moi. Va chez toi. Non, va là, parce que je n'ai pas d'ici. Je suis venu te fatiguer. Non. J'ai pas le temps, quoi. Non. Je vais m'arrêter devant toi de fatiguer. Non. J'ai pas le temps. Non. Alors, tu me dis, mais tu me fatigues des questions. Je suis en train de délivrer, tu me dis, tu me fatigues des questions. Hein? Je te force pour parler. Hein? Je suis en train de forcer. Je suis en train de forcer. Je suis en ancêtre, ça là. Le bois là, tu m'as dit que c'était son instrument de destruction. Tu m'as dit ça. Hein? La dernière fois où j'ai parlé à toi dimanche là, tu m'as parlé du bois. Hein? C'est pas moi qui suis en train d'aider ici. C'est pas moi qui t'ai aidé ce matin. J'ai venu jouer à toi, pourquoi? J'ai gagné quoi dans ça? J'ai gagné quoi en venant? Pourquoi? Tu l'as transformé en quoi? Ben justement, si tu dis pas la vérité, pourquoi tu te délivres? Tu n'as pas bien sorti quand tu t'en piège. Et piège prend. Et puis il jette la viande. On l'a transformé en cabri. Bon, c'est ça? Hein? Bon, on l'a transformé en cabri. Non. Je dis on l'a transformé en cabri. Donc de toi à moi qui fatigue sur ma marée. Et pourquoi? Par les passages qu'on a passé. Et je vais prendre ces passages pour dire que je vais directement. Mais justement, directement au but, parce que je n'ai pas le temps. Si moi, j'ai écouté, je suis allé à Koumassi, je suis arrivé à Makori, jusqu'à Yopougon, ça va nous perdre du temps. Tu l'as transformé, tu ne l'as pas transformé, oui. En quoi? Temps. On avance. Ou bien, tu passes une salle de théâtre et tu me dis, j'étais fatigué, mes questions. Je t'ai bien dit ici, dis-moi, je pose des questions. C'est ce qu'on appelle des aveux.
tu me dis que tu es fatigué. Tu ne parles mal. De toi à moi qui fatigue ce camarade. Faut faire attention. Je te force alors. Hein? Tu l'attends seulement quoi? Hein? Tu l'attends seulement comme un cabri. Comme je le dis souvent, pour transformer quelqu'un, il y a des paroles cantatoires. Mais dis, qu'est-ce qu'on t'a fait? C'est là qu'il dit, il est fatigué. Mais ce que tu as dit là, dis, c'est tellement simple. Il y a les paroles, c'est pas ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit tant. Après, on avance. On avance. Ouais, pour moi, j'ai dit coucou, je souhaite. Hein? Coucou, je souhaite, cette fois. Ça veut dire quoi? Transforme quoi, tel animal. Mmh. Il se transforme. Et puis, je fais une opération. Tu fais quelle opération? Et puis, et tu manges. La première personne. Quelle cinquième? Non, la troisième personne. Donc ta grand-mère, ton oncle, tu dis qu'il est il peut-être travailler dans sa plantation, puis après ça, ça fait deux. Maintenant la troisième. J'ai passé ma tante avant de trouver mon. Monsieur, nous sommes la troisième personne. La troisième personne. C'est Kofi Aya. Oui, mon vieil. Elle ne s'occupait pas de nous. Oh, c'est à elle. Maman m'a fait partir. À l'âge de 4 ans. Quand elle prépare ses enfants, moi, nous, on ne mange pas. Là, tu manges là-bas. On mange au. Elle a raison de ne pas te faire manger. On mange au champ. Alors, tu manges deux fois. Oui. Tu manges sorcellerie. Elle a raison de ne pas te faire manger. Oui. Mais non, ça n'est pas cela. Hein? Mais peut-être, qu'est-ce que tu as fait? Chacun a son groupe. Elle l'a vu dans ça. Est-ce qu'il avait été bien, tu as rassasié? Oui, allons-y. Quatrième personne, c'est. Troisième personne, quoi? Elle n'est pas Kofi, là. Non. Elle a dit quoi? La dame, comment elle avait? Celle de ne pas manger, là. Kofi Aya. Comment tu as fait? Regarde-moi ici. Il y a un défait, tomber. Tu vas rentrer combien c'est? Hein? Il y a un défait tomber. Un que j'ai fait tomber? J'ai te fait terrasser. Non. Tu as pouvoir, non? Hein? Tu as un pouvoir, non? Non. Ah, tu réunis maintenant ton pouvoir. Tu as un pouvoir, non? Le pouvoir est. Je n'ai pas un pouvoir. Aïe. Tu l'avais. Mais. Depuis, je le dis, écoute, Jano m'a arraché cette. Pardon. Monsieur, oui. Monsieur, je vais vous monter. J'ai commencé par Zikogui. Ça là. Entre nous. Il nous a dit quoi tout à l'heure? Non, après, il a dit quoi? Oui, tu prends ça pour quoi? Il a ça, puis dit que les gens nous arrachent. Hé, tu vas l'aïr. Travaille-moi. Mais tu manques! Mais c'est dit que c'est ce qui. Mais nous, on peut réparer ça. Nous pouvons réparer ça. Les gens peuvent se relever. Tu me poses la question. Parce qu'on les a déjà mangés, les gens sont justifiés. Mais tu l'as mangé, tu n'as pas dit. Il faut dire pourquoi on te délivre. Les nouveaux là, alors, je peux. Déjà, avant ici, j'ai lavé ma main. Monsieur, est-ce qu'on appelle confession? Vois, tu veux nous dire que ça, c'est ton pouvoir. Donc, tu n'as pas perdu pouvoir. Tu as ça. Il dit, non, laissez le pouvoir. Et ce que tu as. Tu vois quoi les sorciers mangent? Non. Ils mangent terriblement. C'est un combat, lui et moi. Elle dit, s'il accepte le mensonge, il peut me terrasser. Il se sent frustré, humilié. Ça, c'est un combat. C'est pour ça qu'il a envie de lui faire manger sa langue. Monsieur, il a envie de faire tomber. Dis-moi que je ne peux pas.
Si vous ne pouvez pas, je n'allais pas arriver sur vous. Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Vous allez de l'autre côté, ça ne va pas. Je suis à la recherche toujours. On m'a dit, de vous dire, j'ai entendu parler de vous. C'est moi-même qui ai pris mon transport pour arriver à Yire. Et prendre encore mon transport pour arriver à Zaroko. On dit, ce n'est pas le problème, c'est son passe. Je dis, bon, d'accord. Je vais attendre le vendredi. S'il arrive, on arrive. Bon, avec les amis, moi, je ne savais pas qu'en allant là-bas, on ne voit pas. On a bu, j'étais surpassé d'alcool, j'étais sur le banc et je dormais. Où je vais me réveiller maintenant, je vois le pasteur qui dit au revoir aux hommes, matin bonheur, là, il vient à dire. Et là, mon fils m'a dit, ah, comme tu étais de telle manière, on ne pouvait pas travailler sur toi. Donc, le professeur, je lui ai expliqué, il m'a dit, on a quand même trouvé à Dibo. J'ai dit, ah, Dieu merci. Donc, on va plus se retrouver, mais prenons une voiture ici et puis on va. Et là, on est venu au carrefour de Bagako, et puis je suis à votre poursuite toujours. Si j'avais une force que vous, je venais faire quoi? Je n'arrivais pas. Mais quand tu arrives ici, il faut dire la vérité. Je ne suis pas devenu ici, il faut dire la vérité. L'esprit de Dieu, c'est la vérité, toi, tu es dans le mensonge. Tu ne vas pas vivre tout le temps dedans. Donc tu veux laisser ton pouvoir? Oui. Je n'en veux plus. Avec les grands garçons que j'ai, si je continue aussi, forcément, le groupe va attaquer mes enfants. Ils vont prendre. Voilà. Donc, il faut dire la vérité. Il va quitter des enfants. Allons-y, la quatrième personne. Quatrième personne. C'est Yao Kofi, là. Non. La dame, ah oui, quatrième personne, Yao Kofi. La dame, comment elle s'appelait? Kofi Aya. Kofi Aya. Et la quatrième personne. C'est ça, il y a au Kofi là. Oui. Comment tu l'as tué? Lui, je l'ai pris par son propre piège. Ça veut dire quoi? Il a fait le piège et j'ai changé cadre là. Et quand il est venu, cadre là, ça a raté. Il a refait net, il y a son doigt qui s'est trompé, touché petite baguette là, et ça lui a pris au cou. Il n'y avait personne à côté, il servait une force. Il a lutté là. Il vient au village et dit, en tout cas, mon cou me fait mal. J'ai mal à la gorge. Mon cou me fait mal. À 3 jours, et il est mort. Il a appelé le groupe. On a dépêché. On a fait ce qu'on voulait, de notre plaisir. En croyant du bon plaisir, on a manifesté à notre manière. Vous avez pu ça faire. Mangez bien. Oui. Toi, t'as mangé quelle partie, ce monsieur-là? Hein? T'as mangé quelle partie? J'ai mangé le de rat. Le dos. Avec les fesses là. Bon, on dépèse là. Voilà, la partie là. Explique-nous ton œil cassé. Ça va venir ça où? Mon œil, je ne l'ai pas vendu. Mais je me suis moqué d'une vieille qui avait un œil. Et là, la vieille m'a remboursé sa monnaie. Ça veut dire quoi? Et il a gâté pour moi aussi. Monsieur. Parce que je ne voulais pas. Non, attends. On allait au jugement si je ne voulais pas. Attends. Ça veut dire que. Vous allez me tuer. Tu as dit que ça va changer. Tu vas repartir à Yire. Non, ça veut dire que tu n'as pas changé. Si vous ne m'avez pas trouvé, je ne suis pas allé. Pourquoi? Tu n'as pas oublié d'être ici aussi. Ce n'est pas une obligation. Si on te dit, par exemple, on ne te force pas, mais il ne faut pas nous mentir, il ne faut pas jouer à nous. L'œil, là, tu l'as vendu en sorcellerie en échange d'un pouvoir de chat. C'est pas ça? C'est ce que vous avez dit la fois passée. Ah non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Ça va, chat, elle a enlevé mon œil. Monsieur. Donc, tu joues à moi alors? Donc je ne peux pas te dire, non, puisque je ne vois pas clair, puisque je ne vois pas, ce que j'ai dit est mensonge, ce que j'ai dit est mensonge, je ne peux pas t'aider. Mais là, vous voyez, c'est ce que j'ai dit, il m'a gâté avec le chat. Monsieur. Mais ce n'est pas comme j'ai fait échange avec le chat. Moi, j'ai ma force. Bon, moi, j'ai vu échange, le chat. Quand vous trouvez que ce n'est pas ça, répartez chez vous. Je ne peux pas vous aider. Je ne peux pas vous discuter. Non. Tendez ça à qui? L'œil là. J'ai dit à une vieille. Comment elle s'appelle? Elle n'est plus. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Nda. Comment tu as vendu ça? J'ai vendu ça en échange d'un chat. Comment? Pourquoi des chats ou un échange d'un chat?
Pouvoir de chat. Comment? Pourquoi et comment? Comment s'est passé? Je voulais ce pouvoir pour augmenter. Oui. Il s'est passé comment? Il a. Non, explique, explique. Ok, j'ai le pouvoir du chat à sa place. Il a pris mon aile pour. Elle t'a pris ou t'a donné? Hein? J'ai donné l'aile. Il a pris maintenant pour bénir son chat et puis me remettre. Voilà. Et puis tu t'entends de jouer. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Je ne mens pas. Mais pourquoi tout à l'heure tu niais ça? Au départ, je vous ai dit que toute question sortait pas. Fait honte et c'est un peu difficile à expliquer. Mais où est question de faire honte? Qui ne sait pas que tu es sorti là? Et qui ne sait pas qu'il est en train de faire des aveux? Qui ne sait pas? Tu reçois la menace de qui? Qui te fraye? Qui te menace? Alors? Et on dit que c'est un remède, il faut parler pour que tu sois délivré. Et tu trouves qu'il faut mentir. Et tu discutes. Comme ça, tu es forcé. Hum? Monsieur, oui, on te force. Oui, oui. Mais pourquoi tout à l'heure tu dis non, tu n'as pas, tu n'as jamais changé, tu n'as jamais changé ton tête. Pourquoi? Je n'ai pas dit que je n'ai pas changé. Je dis que j'ai vendu. Je dis que j'ai vendu. Je voulais le chat de la vieille. Le pouvoir du chat. Voilà. Ouais. Je voulais le pouvoir du chat avec la vieille. Mm-hmm. Et là, il m'a dit si je ne donne pas mon œil, elle ne va pas me donner. Donc comme j'en voulais. Je croyais que ça n'allait pas me blesser en vue claire ici. C'est là que j'ai accepté. Et à 4 jours, je suis blessé. Tu ne pouvais pas dire ça tranquillement et gentiment. Tout gentiment et tranquillement. Tu ne pouvais pas dire ça. Tu as gâté qui? J'ai gâté mon cousin et ma cousine. Tu as fait quoi? J'ai gâté mon cousin et ma cousine. Parce que c'est les mamans qui m'ont satisfait de ce mal. Comme elle trouve que c'est bien, c'est pourquoi elle m'a donné cela. Et moi aussi, j'ai dit, bon, hein, je ne sais pas comment faire maintenant. Toi aussi, je vais gâter pour toi. Donc, on a fait gâter. Elle m'a donné et moi je n'ai pas donné, mais j'ai arraché l'étude des enfants. Et tout le monde est devenu zéro. L'étude. Mm-hmm. Explique. C'est arracher l'étude, c'est-à-dire prouver la personne de ne pas voir au tableau même les écrits. Et qu'est-ce que tu as fait? Hein? La pratique mystique, tu as fait quoi? En pratique mystique, on suit sur l'œil de la personne et puis ça devient flou. Comment? On suit comme de la manière tout le monde suit cela. On suit. Fais comme si ton bras, ou quoi? Faut sucer quoi? Voilà, on suit comme ça. Mm-hmm. L'œil, ouais. Et puis on arrache, comment dirais-je, la vision pure dedans. Mm-hmm. Pour pouvoir s'inscrire, et puis tu tombes zéro, tu vois comme ça les choses de ville, mais sur papier tu vois rien. Tu rentres en classe, c'est flou. Le mal contre le mal, le bien contre le bien. C'est la loi de Moïse qui est. C'est important. Et vous, que maman n'est pas en bas, mais quand elle regarde dans la famille, c'est moins gâte. Je suis retourné à la maison, un échec en deux positions de bac pour bac. Je reviens à la maison et moi aussi, je rembourse aussi. Mais tout ça n'est devenu cadeau dans la famille. On doit dans les vieilles maisons maintenant. Qui va construire? Tu n'as pas moyen de construire. Voilà. Mais pas bien, on est obligé de demander à tout moment. Je crois que c'est ça la vie, mon ami. Tu as gâté qui encore? J'ai remboursé aussi. Tu as gâté qui encore? Hein? Sa petite sœur également. Bon, maintenant, proprement, mes 3 enfants, je les ai enfermés. Et ils m'amènent en combat à tout moment. Même celui qui est là, avant que je l'ai dit, si je l'ai dit, j'ai pardonné toute faute et vous avez fait la prière. Je n'ai pas encore fait la prière. Ah bon. Vous avez accepté Jésus. Voilà. Je change de réponse.
réponds tes aveux pour voir un peu. C'est votre papa? Oui. Je vais vous demander. Qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, lui, il m'a frappé. Il a frappé ma femme d'abord et me frappe. Voilà où j'ai supprimé sa chaîne de travail. En quoi faisons? Ça fait quoi? Bon, là, c'est une parole quant à toi. Comme en vie civile, quelqu'un qui n'est pas sorcier, son enfant, bien sûr. Oui, comme il aime beaucoup parler. Tu t'es tellement. Tu ne m'as pas parlé, hein? Tu as fait quoi pour fermer lui sa chance? Il est maudit en sorcellerie. En quoi faisant? En lui disant, si ce n'est pas moi qui t'ai mis au monde, de dépenser pour toi jusqu'à là, l'école, bien vrai. Après l'école, j'ai été arrêté. Là, ce n'est pas ta faute. Mais jusqu'à présent, tu as été monsieur, malade. Tu as fait quoi pour fermer lui? Hein? Tu l'as fermé où? Pour lui, je ne lui ai pas fermé, parce que c'est mon fils aimé. Tu l'as pas mis dans ton anus? Hein? Tu l'as pas mis dans ton anus? Tu lui as mis dans mon anus? Mais enfermé dans marmite ou bien dans canne. Mais anus, quand je n'ai pas fermé, on met quelqu'un dans anus. Mais c'est lui qui est cherché, que je lui mets là-bas. Est-ce qu'on met quelqu'un dans anus? Nous, pour les protections des prisons. Il y a des chambres prisonnières là, c'est comme ça. Quand tu l'aimes beaucoup, au lieu de le tuer, tu fais ça, tu le punis. Tu le punis où? Hein? Tu peux le punir n'importe où tu veux. Oui, de quelle chambre tu as mis? Je l'ai mis dans mon anus. Tu l'as mis dans ton anus? Voilà. Tu as fait comment pour le mettre dans l'anus? Je l'ai transformé à un fruit. Je ne connais pas son nom, Dida. Mais comment? Dis-moi, viens, Dida, avec le berger. C'est comme aubergine, là. On appelle ça quoi? C'est un endroit. Je ne sais pas. En le mettant dans l'anus, qu'est-ce que tu cherchais? Hein? Je lui paie, comment dirais-je? Je manque de mots. Je lui prouvais que j'étais son père. Je lui prouvais. Moi, mais pas n'importe qui. Je lui prouvais que c'est. Pour lui dire que c'est moi qui lui ai mis au monde. Il n'avait pas droit. Après ça même, me faire des coups de poing, me chicoter à droite, à gauche, parce que j'ai le pied malade, il reblesse mon pied, je suis en bas de lui et il fait tout ce qu'il veut. Mais dis donc, si j'avais même, j'étais pas souffrant à ce jour-là, je crois que jusqu'à présent, j'étais là encore vis-à-vis en prison. Ça n'a pas été facile pour moi. À quelle heure je suis arrivé au village?